Je suis Gabriel Torrent, je suis médecin adjoint en addictologie depuis 2005. Je travaille essentiellement avec des patients qui consultent pour un problème d'addiction et mon domaine de prédilection, c'est ce qu'on appelle les addictions sans substance, notamment les jeux vidéo. J'ai aussi fait passablement de recherches autour de World of Warcraft. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est effectivement les patients qui viennent avec des questions autour de est-ce que mon comportement est normal? Est-ce que je suis addict? Et là, tout le traitement va consister à effectivement évaluer est-ce que pour l'individu, il y a une souffrance ou est-ce que le fait d'utiliser des jeux ou autre chose lui amène plutôt du plaisir. Et je pense que là, il y a un changement dans le paradigme des traitements des addictions. Si à l'époque, c'était surtout l'abstinence qui était visée, actuellement, ce qui est plus important, c'est d'avoir un changement de comportement et de discuter avec les gens, de voir est-ce que c'est mieux de diminuer, de moins jouer, de jouer à autre chose, plutôt que se dire qu'on va être abstinent. Parce que dans le monde actuel, être abstinent des nouvelles technologies, c'est pas possible. Au niveau de la recherche, moi je pense qu'il y a beaucoup de nouveautés qui vont être très intéressantes avec des risques et des opportunités. Si vous regardez par exemple les casques de réalité virtuelle, ça va amener beaucoup d'évolutions positives, mais on peut se demander aussi avec leur pouvoir immersif s'il ne va pas y avoir beaucoup plus d'addiction. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'adore travailler en addictologie et que j'ai envie de continuer parce qu'à chaque fois il y a des nouveautés. Et à chaque fois, c'est des nouveaux challenges par rapport à des nouveaux traitements, des nouvelles problématiques, mais aussi des nouvelles opportunités.